yeah! On se retrouve pour 4 jours, notre 19e jour du calendrier de l'Avent. Est-ce que ça gâte, toi? Est-ce que ça gâte toujours? Moi, je prends toujours autant de plaisir à unboxer et qu'allons-nous unboxer aujourd'hui? Ah là 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 là. Oh, je tiens un truc. Un double album, encore une fois. Bah, dis donc. Bah, dis donc. Ah. Ok. Il s'agit de deux CD de Cécile Corbel. Cécile Corbel, je t'en ai parlé précédemment lorsque nous avions unboxé le CD de la comédie musicale, mais c'est plus considéré comme un opéra rock, Anne de Bretagne. Cécile Corbel est une artiste bretonne que j'aime beaucoup. Pour la petite histoire, j'étais en vacances avec mon padré en Bretagne et nous sommes passés dans une petite boutique qui vend des CD bretons, que de la musique bretonne. Hein, voilà, je pense qu'il n'y a qu'en Bretagne que tu peux voir ça. Et du coup, j'ai absolument voulu repartir avec un CD de musique bretonne parce que j'adore la musique bretonne. Et on m'a fait découvrir l'artiste Cécile Corbel avec son songbook volume 1. Et bien sûr, je n'avais pas le songbook volume 2. Donc, nous avons le songbook volume 2 et l'album La Fiancée qui me semble que je n'ai pas normalement. Donc voilà, je suis super contente de les avoir trouvés. Franchement, ça me rend joie d'avoir encore du Cécile Corbel. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, Cécile Corbel a également fait des musiques pour le film d'animation des studios Ghibli, Le Petit Monde d'Arietti, tout simplement parce que elle racontait que elle, quand elle a produit son dernier album, alors je ne sais plus c'était lequel à cette période-là, elle avait toujours des exemplaires qu'elle envoyait à sa famille, tu vois. Et elle s'est dit, mais tiens, pourquoi pas, petit coup de folie, en envoyer un à Hayao Miyazaki. Voilà, comme ça, sur un coup de tête, envoyant un petit CD à Hayao Miyazaki. Du coup, elle a envoyé son CD à Hayao Miyazaki. Et elle a été rappelée par la personne qui était chargée, en fait, pas Hayao Miyazaki lui-même, hein, mais la personne qui est chargée du film, de faire un BO et tout. Et elle appelle et dit, oui, on a bien reçu votre CD, Madame Corbel, et nous avons beaucoup aimé. Nous n'avons personne actuellement pour la BO de notre prochain film d'animation, Arietti. Seriez-vous intéressé pour faire la musique? Oui. Ah, très bien, venez faire la musique de notre film. Et du coup, voilà, elle a fait la musique pour Arietti. D'ailleurs, je voulais trouver la BO d'Arietti. Mais alors, c'est compliqué. Je sais que je crois que Cécile Corbel l'a réédité. Je sais pas, je sais que je crois. Ça ne veut strictement rien dire. Je sais ou je crois. Mais je suis sûre ou pas. Ah là là, on arrive au 18e jour et ça commence à partir en live. Oui, du coup elle a dit oui et bref, je voulais trouver le CD de Cécile Corbel, mais je n'ai pas trouvé parce que c'est très dur de trouver ce CD d'Arietti. Elle l'a réédité, mais au prix, je me suis dit que j'allais un petit peu attendre, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas, je suis super contente d'avoir du Cécile Corbel. Je peux que te recommander d'aller écouter Cécile Corbel, qui est une chanteuse harpiste avec une voix magnifique, et franchement je rêverais de la voir en concert. En tout cas, aujourd'hui c'était de Cécile Corbel. Je suis trop fan. Nous on se dit du coup à demain pour une nouvelle ouverture de notre Zikmas. Nous on se dit à demain pour déjà le 20e jour de ce calendrier de l'Avent. Bye! Hey, stay woke and roll.